Le Gomio Tour en PACA, c'est la réunion des chefs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec plus de 250 chefs venus de toute la région, c'est pour nous une grande fierté de réunir ces chefs qui font l'excellence de la région. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette quatrième étape du Gomio Tour en Provence-Alpes-Côte d'Azur, dans une maison incroyable, un chef qui est pour nous un chef bâtisseur. Édouard et Isabelle, nous sommes très heureux d'être chez vous aujourd'hui. Ce rassemblement, c'est un rassemblement familial. Et à chaque fois qu'on fait un Gomio Tour en Provence, c'est quand même ça. Donc bravo à Édouard et à Isabelle pour ce nouveau trophée. Merci. Sans équipe, on n'est rien, donc comme l'ont dit ces messieurs, merci à toute mon équipe pour ce prix et surtout à mon épouse. Tous les prix qui ont été remis aujourd'hui sont dans cette symbolique. À la fois de transmission, d'excellence, de tradition, nos prix portent ces noms et les cuisiniers qui sont récompensés, ils représentent toutes les générations de cuisiniers. Il n'y avait qu'à voir l'engouement autour des récompenses pour Philippe da Silva ou Bruno Cirino, c'est à la fois émouvant, touchant et puis c'est une reconnaissance de tous les jeunes chefs envers la profession. On couronne d'abord l'esprit d'équipe, l'esprit qui permet d'arriver un jour à décrocher ses trophées parce qu'on a travaillé, avec les autres et pour les autres. Je remercie une nouvelle fois tous les partenaires qui ont été vraiment, comme toujours, à la hauteur de cet événement, avec leurs produits, avec leur présence commerciale, leur soutien sur les trophées. Il y a eu de très très belles prises de parole de Breck, de Lavazza, de Caviari, de Bonnet sur la qualité des produits et le lien au chef au quotidien. Et c'est vraiment en fait ce lien fort avec les chefs et avec les partenaires que l'on souhaite encourager et développer tout au long de cette journée. Nous avons un lauréat d'exception, Alexandre Mazia, qui a été découvert il y a plus de 2 ans par Goemio, qui est consacré Goemio d'or cette année. Nous lui avions accordé la dotation Goemio pour l'aider à s'installer il y a exactement 1 an maintenant. Puis il a été grande de main avec 3 toques et c'est aujourd'hui vraiment un bonheur de pouvoir lui accorder ce Goemio d'or. Depuis que j'ai ouvert ce restaurant le 17 juin, ça a changé ma vie, dans le sens de la façon de regarder les choses et tous les jours, sans cesse, je suis dans la recherche de ce que je veux donner. Toutes ces reconnaissances, j'en suis fier parce que je vis dans quelque chose qui pour moi était d'un œil juvénile il y a quelques années. Moi, il y a 1 an, j'avais pas encore ouvert. C'est un peu fou, mais à la fois, c'est aussi la reconnaissance d'un travail d'une équipe depuis pas mal d'années qui me suivent et ça, j'en suis très fier de leur assiduité, de leur enthousiasme, de leur bonne humeur et je sais que c'est jamais facile. Un tour se passe, un grand tour, digne du Tour de France, sauf sans dérailleur, sans roues, sans maillot jaune, plutôt avec des produits, des sauces, des casseroles, des bains-maries, des chefs, des cœurs, des âmes, et tout ça pour le Goemio Tour. Le Goemio Tour, une équipe humaine, une équipe à la découverte des gens du bonheur. C'est une grande fête grâce au Goemio de pouvoir réunir toute une grande famille dans le but d'émerveiller avec notre métier, de transmettre et de partager beaucoup de choses ensemble. Merci au Goemio.